Après une bonne nuit de sommeil, un bon Irish breakfast pour commencer la journée. C'est trop bon. Après un petit tour en taxi au National Botanic Garden, donc le jardin national botanique. On va aller visiter les plantes, les serres. Allez, viens, on est bien. Donc ça va être vraiment pas mal du tout, je pense. Ça va être joli en tout cas. Le soleil est pas au rendez-vous, mais tant qu'il peut pas, c'est bon. Alors, allons voir ça. Après les serres des cactus, on se retrouve dans la forêt tropicale à peu près. Peut-être qu'on va trouver Alan Parrish qui a disparu dans le jeu Jumanji un jour. On verra. Allons le chercher. Scoop spécial, on n'a toujours pas trouvé Alan Parrish. On va regarder la suite pour voir si on le trouve. Allons-y. J'ai trouvé un joli spot pour me poser. En fait, j'ai la flemme de me relever parce que je suis vraiment bien. On entend le bruit de l'eau là derrière. Il y a des belles couleurs partout, c'est calme. Non, c'est vraiment bien, franchement. Mais bon, faut quand même se lever pour que vous puissiez voir la suite et nous aussi. Alors, on continue. Voilà, on l'a trouvé coin, notre ami le canard. Salut toi, viens dire bonjour. Regarde. C'est mon pote. Salut, viens dire bonjour. On est amis. Allez, viens avec moi. Allez, viens, on est bien. Allez, viens. Super visite dans les fleurs, les arbres, le jardin botanique national était vraiment très très beau. En plus c'est gratuit, donc si vous voulez faire un tour là-bas, visiter, profiter des jolies couleurs qu'il y a, c'est vraiment très joli. Et du coup là on va faire la suite, je pense qu'on va peut-être manger un truc avant ou je sais pas, on verra. En tout cas on va aller au zoo, alors c'est parti. Bon, après une petite balade en taxi, on se retrouve au zoo de Dublin. Il ferme dans 2 heures, du coup on aura le temps de faire un tour et tout, c'est bien. Je vous laisse voir ça en image, à tout de suite. Fin du zoo, c'était pas mal, le zoo il est joli. À mon avis ça nous a mieux donné quand il fait beau.
Là il pleuvait pas mal, du coup les animaux étaient carrément tous dans leur enclos, leur maison, etc. Du coup c'était pas super de les filmer à travers le, la vitre ou le plexi, j'espère que ça rendra pas trop deg. Sinon le zoo en soi, le tour il est, c'est bien fait, il y a pas mal de, d'animaux différents, c'est assez diversifié. Donc voilà, à toutes.